Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kene mikelo, du Fils, dit, Papa, Delungana Kangani, Salomon, donc le Pacifique, et du Saint-Esprit, dit, Papa,
Kuntima Diengienda, les trois dispositions puissantes venues des cieux, matérialisées sur terre entre le 12 février 1914 et le 22 mars 1918, ces trois grandes puissances, à savoir, c'est la puissance qui a fait que la puissance de l'humanité soit. Et c'est sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kyangani, le chef spirituel et représentant légal de cette nouvelle manière du vécu des humains sur Terre, la civilisation nouvelle mise sur Terre depuis le 6 avril 1921. En Kamba, Nouvelle Jérusalem, conduit avec à la tête évidemment le Nkotulendo, le Tout-Puissant, sa divinité, Mfumwa Longo, Mfumwa Dibundo, Mfumwa Nzayamvimba, Lekoyaonze Mubiao, Tata Simon Kimbangu Kyangani. Nous sommes aujourd'hui le 17. Jour J plus 2 des événements, mais nous on est à jour J moins 10 d'un grand événement, l'événement du 27 avril en Kamba, Nouvelle Jérusalem, où le patron de la quatrième et dernière génération, Tata Simon Kimbangu Kyangani, nous a demandé de monter sur la colline sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, afin d'aller rendre gloire et honneur à la Dame, notre Dame, à nous, notre Dame, la vraie notre Dame, Ngudian Longo, Nkaka Mwilu, Kiawanga Nzitani, celle-là même qui a mis la femme à la place qui lui revient. Parce que nos chères mamans sont les mamans, ne sommes pas nous. C'est les seules qui nous portent dans leur ventre pendant 9 mois. Même le Christ Jésus, il a fallu, né d'une conception immaculée, mais il est passé par le ventre de Ngudia Longo, Marie, c'est-à-dire l'aimée en hébreu, car elle était remplie de grâce pour, de toutes les femmes de l'humanité. C'est elle qui avait trouvé grâce auprès de Tata Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, afin qu'il puisse porter notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir Papa Dialungana Kyangani Salomon, le Pacifique, Ntinwa Yenge. Mes chers amis, je disais tantôt qu'on est le 17, nous cheminons jour J-10 du grand événement. 60 ans que celle qui a gardé le flambeau de cette nouvelle civilisation, comme qui dirait la deuxième autorité spirituelle de cette civilisation, parce que son mari, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, fut arrêté comme un malfrat. Il l'exerça seulement pendant 5 mois durant, 2 mois dans sa cité sainte de Nkamba, les 3 autres mois, il a fallu qu'il quitte cet endroit parce que les francs-maçons, les rosicréciens, les Illuminati, les peuples du monde des ténèbres qui étaient venus censés parler du Christ et Jésus, mais comme c'était des jésuites, donc des hypocrites, eh ben, ils ont voulu anéantir l'œuvre du Christ que Tata Simon Kimbangu reçut, parce que le Christ était clair avec lui. Il dit bien Kimbangu, 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 jeune homme de 34 ans, un jeune homme de 34 ans, il secoua la coalition internationale, la France, l'Angleterre, les États-Unis, c'est pareil parce que les États-Unis c'est l'Angleterre, l'Allemagne, tous ces peuples, des transformés, des Nkituki, c'est-à-dire, c'est des Noirs, c'est des Ndombe, des Noirs, qui ont pris une autre pigmentation.
Ils sont venus habiter par Ngadiampemba pour anéantir l'œuvre du Christ Jésus que Papa Simon Kimbangu reçut la nuit du 5 au 6. Quand il l'obtemptera, dit, toi Kimbangu, l'heure a sonné. Et c'est le mat. La nuit du 6, la nuit du 5 au 6 avril 1921, sa femme, la, c'est qu'on a, dans un terme spirituel qu'on a qualifié de la Vierge, Ngoudian Longo, entendir la conversation, les échanges du Christ Jésus avec Tata Simon Kimbangu, le Saint-Esprit. Mais il pouvait pas, elle ne pouvait pas voir parce que la femme était à la base de cette désolation de l'humanité. Parce que, à la création, c'est notre chère maman toujours qui était victime des attitudes de Chétan et Kadiampemba. Mais si le mal est rentré par la maman, mais c'est la maman aussi qui est venue réparer l'erreur. Parce que la nuit du 5 au 6, Ngoudialongo, Nkakamwilu, donc l'étoile, Kiawanga, qui a entendu Wakawidingi, Kiawanga, Nzitani, donc rendue respectueuse nos chères mamans. Et le matin du 6 avril, elle alla sonner la cloche. Mais son mari, quand j'ai commencé le ministère, ce mercredi 6 avril 1921, le premier Kintombo, Kanson, Kambasa, Mouvoua Toukou, eh bien, le premier à venir s'asseoir pour être enseigné, c'est Chétan Nkadiampemba. C'est pourquoi, quelquefois, nous voyons, au sein de cette institution divine venue du ciel, il y a beaucoup de Kimbanguistes. Il y a des Kimbanguistes et des Kimbanguistes. Comme à l'époque, Ignace de Loyola, qui avait créé cette confrérie qu'on appelle les Jésuites. Ceux-là même qui semblaient apporter la compagnie de Jésus. Mais en fait, étant donné, ils n'étaient pas dans les bonnes dispositions spirituelles. Et bien voilà, ils viendront créer le désarroi chez le peuple premier, les Bantous. Notre royaume. Le Kakongo, la RD Congo aujourd'hui, le Congo dit français, mais j'aime pas le terme, mais le Congo de Savono dit qu'aujourd'hui que ce franc-maçon continue à être mis en évidence parce que la capitale s'appelle encore ce nom maçonnique, ce violeur de femmes. Et ça, j'étais le propos de Théophile Obenga, qui l'avait signifié, que Deo Savono di Petro di Brazza, un Italien né à Castel Gandolfo, venu en France, que la France investit des capacités maçonniques et entrer dans la marine marchande. C'est lui-là qui est venu violer la nièce de Makoko à Amé afin de fomenter le coup de s'approprier du territoire d'élection, notre territoire d'élection. Voyez-vous? Et donc, Ngoudian Longo, qu'elle soit glorifiée, rendue gloire, qu'elle ait les honneurs appropriés et convenables. Donc, le 26 avril, nous serons à la Nouvelle-Jérusalem pour rendre gloire pour ces 60 ans d'action. Parce que le 59, date à laquelle elle se changea en cette nature telle qu'elle est aujourd'hui, en ces termes, elle était témoin. Si, ça c'est, je pèse les mots. Aujourd'hui, elle porte le qualificatif de. On l'appelle aujourd'hui. C'est son père de son fils. C'est le jeu spirituel. Ici, on ne parle pas des faits physiques. On parle des événements spirituels. On est à jour J plus 2 de ce qui s'est passé dans le cœur de la Parisis. Les Parisis, les Antès qui ont mis en place dans l'île de la cité ce bâtiment. Notre-Dame. Ngoudian Longo aujourd'hui, elle est là avec nous à Saint-Louis, en Gonois, dans le 45. Elle s'appelle Mwilu Kiawanga Lufinama. Donc, rapprochons d'elle. Rapprochons-nous près d'elle. Diangienda, ce qui m'y va droit. France Yina, cette France-là. Dont elle a foulé le pied il y a depuis 1966.
Eh oui, Ngudian Longo. Papa Kisolo Kele a insisté parce que son père de fils, Papa Koutsima Diengenda, ne voulait pas. Mais c'est le père de son fils, le père de fils, parce que c'est le jeu spirituel, hein? C'est elle. Et Papa Kisolo Kele insista. Faut qu'il se décomplexe. Qu'il se décomplexe de ce peuple du monde des ténèbres. Les Fubiambi. Eh ben, mes amis, vous voyez, vous entendez en fond sonore mes confrères du groupe de guitaristes kimondistes qui évoquent les propos que Ngudian Longo avait tenus le 27 avril 1959 pour qu'elle aille nous déceler et qu'elle soit notre intercesseuse. On est un mercredi, la journée dédiée à nos chères mamans. En tout cas, merci la gente féminine. Merci à vous de nous supporter, nous les hommes. Parfois, on n'est pas à même de tenir la baraque. Mais vous, grâce à votre idéal féminin, Mama Mouilouka Wanga, qui a réparé l'erreur, vous êtes dans l'action avec nous ensemble pour, afin de faire la volonté divine de sa divinité, Tata Simo Kimbangu Kiangani. Papa Simo Kimbangu Ambanza Sanda, le 10 septembre 1921, avait signifié ceci. Il prévaudra qu'à l'avenir, seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Dieu. Nous, on est des ambassadeurs de Tata Simo Kimbangu Kiangani ici en Occident. Je me permets de vous retracer les propos de Tata Kimbangu Ambanza Nsanda. On est aussi le matin du 10 septembre 1921, suivant l'oracle de Dieu le Saint-Esprit, Tata Simo Kimbangu Ier. Mpeve yambungu tulendo inza isivo yentangu yakivana kwa miyadi ikubamene. Non, je vais mettre, non, je vais parler assez parce que je suis dans le territoire de la Gaule, le Kinsusu, je vais le mettre au Kinsusu, donc le français. N'oubliez pas qu'avec mon arrestation, on est ici le 10 septembre 1921, commencera une période indicible, une période d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Mais il faudra tenir ferme, car l'esprit de Dieu, dit eux, qui solo kele, dit dialungana, dit eux, qui diangienda, kuntima, twaka, kuntima, kimbangu, kuntima, kiangani. Tout puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales, donc les peuples du monde des ténèbres, à cette époque-là qui dominent mon territoire Congo, vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais ils ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu. Je vous signale que c'est sa divinité, le Tout-Puissant, le jeune homme de 34 ans. On est en 1921. Papa Simo Kimbangu est venu sur terre. Il a pris le corps physique du Saint-Esprit le 12 septembre. Le 12 septembre 1887. À la fin du 19e siècle. Donc 1887. Le 12 septembre. Et le 6 avril 1921. Ici en l'occurrence, le 10 septembre. On est à quelques jours de son anniversaire du 12.
où il y a 34 ans, 34 ans, 34 ans, jeune homme, 34, 34. 3 et 4 qui fait 7. Nsambodia. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais elles ne parviendront jamais, jamais, au grand jamais, à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Car elle vient cette œuvre du Dieu, de notre Dieu, le Tout-Puissant. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus dominer en utilisant nos colonisateurs. Suivez bien. Les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser, qui sont venus nous dominer dans nos territoires. Là, je parle des trois cas. Le Congo-Angola, mon territoire royal d'antan, l'abdomen, le cœur spirituel, le Congo RDC, le royaume divin Congo, et le Congo RC, que les Français se sont appropriés à l'époque. Les trois K, d'où le terme K Kimbangu, K Kuntima, K Kiangani, parce qu'il est en trois K. Je répète, ça c'est le verset 5 du chapitre 33 du livre 4 du ministère dans le Kimbanguisme, chapitre 33, verset 4. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation, mais et à la souffrance. Je dis bien, verset 5, Katanu. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres, les Mfumbi, les Fubiambi, Mfumbi, les Ndundu, les peuples du monde des ténèbres, les Mfumbi, les Anunnaki, francs-maçons, Rose-Croix, Maïkari, Catholicos, Anglica, toutes ces spiritualités qui sont contraires à Tata Simon Kimbangu Kiangani. Hein? Du monde des ténèbres qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. J'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Et s'il vous plaît, ne mettez pas le C. Hein? Le Congo avec K. K Kimbangu, K Kuntima, K Kiangani. Le peuple Congo et tous les hommes Ndombe du monde entier. Les Ndombelés, ceux qui demandent. Parce que je ne veux pas utiliser le terme noir. Le noir, depuis le 24 décembre, on a mis fin à ça. 24 décembre 92, sa divinité, le Christ Jésus revenu sur terre, avait accepté le pardon. On est le peuple Ndombe. On n'est plus les négritis, les négros ou objets de plus de valeur. Non, c'est fini ça. Depuis le 24 décembre 1992, les trois glorieux ont accepté notre pardon. Donc on n'est plus dans la disposition des objets de plus de valeur. T'as dit des voix au canon. Papa Kimbangu dit la pierre qui était rejetée, elle est devenue la principale de l'angle. Donc, s'il vous plaît, ne parlez pas du terme noir ici. Je parle de Ndombe, les Ndombelés, les Ndombe, Betoba Ndombe. Nous qui demandons beaucoup, donc nous qui prions énormément afin que nous soyons toujours en phase avec Nkamba, donc Tata Simon Kimbangu Kiangani. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés. 1921, 10 septembre 1921. Mais au temps fixé par le Seigneur, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui. Et nous serons les maîtres chez nous comme ils sont chez eux. Finalement,
ils seront contraints à se soumettre à nos décisions. Le Congo sera libre. Et l'Afrique aussi. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Alba, les Albinos, les Mfumbi, ce que vous appelez blancs aujourd'hui. Les Alba, Albinos, les Fubiambi, Mfumbi, les Ndundu, hein? ceux qui ont hérité Nimrod. Parce que Nimrod, c'est lui qui est parti de la tour de Babel, l'Égypte, la Grèce, aujourd'hui l'Europe. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront sur les conseils des Mfubiambi, les Alba, les Albinos, les Ndundu, les Européens. Ils entraîneront leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Alba, des Albinos, les Fubiambi, les Européens. Ils parleront toutes les Kinsusu, tel que je suis en train de communiquer là. Hein, les langues des Occidentaux. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie maritérielle des Occidentaux. Donc les tombants, ceux qui vont vers la chute là, Occident, le tombant, ils vont vers la chute, ils vont tomber, ils vont pèleriner, ils vont tomber à quatre pattes, tel qu'ils étaient dans la disposition naturelle. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux, et parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Et ils deviendront la proie, Nguta Mindele, la proie des Occidentaux. Il y aura une grande mortalité parmi eux, et certains ne verront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme ndombe, l'homme demandeur, l'homme croyant en Tata Simone Kimbangu Kyangani, acquiert sa maturité appropriée, donc spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle, l'antériorité du spirituel sur le charnel. Bokonzi, yatata kimbangu kangani, liboso, nkamba, liboso. Construisons Nkamba d'abord, Yerusalem d'abord. Si Nkamba n'est pas construit, mes amis, Mpavala. Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Alors, s'accomplira la troisième étape, celle dans laquelle naîtra celui qui va remettre l'ordre interne, ROI, roi. Remettre de l'ordre. Bouya yantiki di saloukame. Iya yantiki di saloukame. Yaloutelele. Le Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel. Le grand roi, ROI. Seigneur investit pour rétablir Siros, roi. Remettre l'ordre interne du trois Congo. Un roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Le pouvoir spirituel, Nkamba Yerusalemi. Le pouvoir scientifique, Pakundungu Pelegete. Le pouvoir politique, Tata Kisolokele Lukelo. Oh mon modèle, les trois P des SP. Je serai moi-même le représentant de ce roi divin. Eh bien, j'ôterai toute l'humiliation qu'on a toujours infligée aux hommes nommés depuis les temps les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucunement n'a été maltraité et humilié que le peuple Dombé, le peuple africain. En dépit, suivant, ça c'était important, parce que Bolingo, Mibeko, Misala, le Bomimi, le Nzonzansi,
Ndonzansi, Ndonza, Zola, Nsiku, Ndonzisa, Ndonzisa, Zola, Nsiku, Bissalo. Dis bien, au verset 15, en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer. Et là, c'est Ngudia Longo, Marie. Parce que Marie veut dire aimer en hébreu. Et là, c'est pourquoi l'amour qu'elle nous demande. Parce que toute créature passe par son ventre. C'est elle, Ngudia Longo, qui envoie tous les enfants sur terre. Et oui, Ngudia Longo. Donc, nous avons l'obligation d'aimer, de les aimer malgré la persécution. En dépit donc, au verset 15, de l'occupation. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas les haïr, car cela serait contraire à la bonne nouvelle. En tant que média qui nous apporte la bonne nouvelle, le messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Takimbangu ou des activités de Kimbanguistes. Donc la bonne nouvelle, ratel qui, le E, c'est évangile, la bonne nouvelle. Eh oui mes amis, donc nous sommes là pour la bonne nouvelle. Donc l'ennemi, nous devons l'aimer, nous ne devons pas le haïr, car le haïr serait contraire à la bonne nouvelle. Continuez à lire la Bible, car à travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce document ou bien ce volume. Je dis bien ce volume parce que c'est un document trinitaire. Le volume, c'est le mesure de capacité. Le volume, M puissance 3, les 3, Tata Kisolokele, Tata Delungana, Tata Dengenda Kuntima. Qu'il renferme. Méditez sur les écrits et principes moraux qu'il renferme. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Je ne vous laisse rien d'autre que cette Bible. Lisez-la fréquemment, en tout temps et en tout lieu. Car mettez rigoureusement les 10 commandements, la conscience humaine. Mettez rigoureusement en pratique les 10 textes de loi que Papa Kisolokele avait donné à notre prédécesseur. Moïse, tirez de l'eau. Et mettez donc rigoureusement en pratique les commandements que Papa Kisolokele nous a disposés, Dieu le Père, car le moment viendra où toutes nos épreuves prendront fin. Je vous suis arrêté au verset 16. Verset 17, on est aujourd'hui le 17. Si Tata Kimbangu le veut bien, nous allons poursuivre demain, car nous on est dans le break de l'occupation pécuniaire. C'était le média qui de ce jour. Ebeto. Ah là là. Tu vois du Mudelongo. Kakamouilo ke wanga nzitani. Toza. J'ai Ngudialongo. Kakamouilo ke wanga. Nzitani. Lufinama. Djangenda. Francine. C'est tout mon ami. À très bientôt. Au revoir.